Oui, alors aujourd'hui, c'est l'inauguration officielle, le lancement d'un nouveau dispositif qui est une déclinaison d'Aix-les-Bains ville Andie bienveillante. Ville Andie bienveillante, ça veut dire une ville comme la nôtre pour les Aixois, pour les touristes, pour les curistes, qui soit accessible aux personnes relevant d'un handicap, handicap visible ou invisible. Aujourd'hui, en partenariat avec l'association Valentin Aoui, c'est à destination des personnes malvoyantes ou non-voyantes, avec la mise en place de bornes, comme celle que vous voyez derrière moi à l'hôtel de ville, mais c'est aussi le cas à la bibliothèque municipale ou dans d'autres services publics petit à petit que nous allons installer. Avec cette borne, donc c'est avec un petit boîtier qui permet à la personne, à l'approche du bâtiment, d'avoir un signal et ensuite de déclencher à proximité un message. Il y a des balises à Aix-les-Bains qui n'existent pas dans bien d'autres villes. Alors ces balises, il y en a trois pour l'instant. Il y en a une à la mairie, il y en a une à la bibliothèque et il y en a une à la police municipale. Comme vous l'avez vu, vous, elles sont placées à l'entrée. Et elles nous indiquent, pour les non-voyants et malvoyants, qui va se passer pour rentrer dans la structure municipale. Elle nous dit qu'il y a trois marches pour celle-là. Malheureusement, à l'intérieur, il nous faudra être guidé par d'autres personnes. Mais au moins, on a, si vous voulez, l'identification de la structure qu'on recherche. Monsieur le maire m'a chargé d'essayer de proposer une vie confortable pour tous les Aixois, pour tous les curistes et les visiteurs qui viennent à Aix-les-Bains, quel que soit leur handicap. Alors la difficulté, c'est la mise en place, la recherche un peu des aides techniques qui pourraient être les plus pertinentes pour tout le monde. Alors cette année, on a axé sur le handicap visuel en installant ces trois bornes. Et donc, on a commencé à mettre en place des cours de téléphonie et peut-être plus tard, si on le peut, des cours d'informatique pour personnes non-voyantes. Pour la rentrée, on aimerait bien évidemment continuer ces formations parce que c'est vraiment une aide importante qui leur permet de se repérer partout. Il n'y a pas que la canne, il n'y a pas que le chien guide. Il y a aussi ces aides techniques qui sont importantes. La porte d'entrée automatique se trouve devant vous au sommet d'un escalier comportant quatre marches.